à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une puissance. Donc je te laisse ouvrir les paris et me dire si tu penses que c'est Bali ou si c'est Ace qui va remporter cette puissance. Ne pensez pas forcément que c'est Bali qui va remporter parce que forcément il est plus grand, il a plus d'expérience, etc. Non. À mon avis ça risque d'être assez serré entre les deux parce que Ace a une détermination monstrueuse et sauter plus gros que lui, croyez-moi, ça lui fait pas peur. Allez, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Donc on va dire que les règles, ça va être une barre ou un refus, ça compte une faute. Et on va dire qu'ils ont droit à deux fautes, donc au bout de deux barres ou de deux refus ou d'une barre et d'un refus, ils sont éliminés. Donc on va voir ce que ça donne, je vous laisse faire les paris en commentaire. Je commence donc par faire les présentations de l'obstacle puisque c'est un tout nouvel obstacle que je viens de recevoir et que je vous ai présenté d'ailleurs dans la précédente vidéo. C'est Equipe Horse qui m'a envoyé les barres et les mini Cavaletti et donc forcément il fallait que je les présente au moins à Bali parce que c'est lui le plus délicat à ce sujet là. Il a l'habitude d'avoir toujours les mêmes obstacles dans son pré, alors dès qu'il y a un petit peu de nouveauté forcément ça lui plaît pas trop. Donc voilà, j'ai préféré commencer avec de bonnes bases. Ensuite je l'ai bien évidemment détendu puisqu'il était important qu'il soit préparé physiquement, qu'il soit un petit peu chaud au niveau de l'ensemble de ses muscles pour aller réaliser la puissance en suivant. Il était hors de question que je l'amène à froid là-dessus. Donc voilà, on a fait différents exercices pour le préparer, que ce soit du pas espagnol ou des mobilisations au niveau de ses épaules et des hanches. On a également fait bien sûr un peu de stick to me au trot et au galop. Une fois que j'ai jugé qu'il était suffisamment détendu, on est allé directement sauter le premier obstacle. Alors oui, forcément, je suis pas descendue au maximum parce qu'on sait très bien que les 40, 50, 60 cm seraient passés sans trop de difficultés. Donc on a attaqué directement sur 70 cm qui sont naturellement très bien passés. Ensuite, ça a été donc au tour de Ace de découvrir ce nouvel obstacle, donc pareil, il l'a exploré un petit peu, et ensuite, on est allé détendre, donc exactement le même programme que Bali, quelques aspirations des hanches, des épaules, divers déplacements. On est allé attaquer l'obstacle à 70 qui ce coup-ci a eu un peu plus de mal à passer. Il a fortement regardé ce qui se passait sous l'obstacle, mais il est passé de l'autre côté sans toucher de barre, c'est le principal. J'ai ensuite monté l'obstacle à 80 cm, donc là normalement il n'y a pas trop de difficultés non plus. La plus grosse difficulté, elle était pour moi de réussir à tenir Ace, parce qu'en général dès qu'il voit un obstacle, il a tendance à vraiment vouloir aller dessus, et vous le voyez, il précède largement mon action et il va tout seul dessus. Et vous allez voir que plus ça va aller, plus ça va être compliqué pour moi de gérer cette anticipation. On ne l'a pas filmé, mais Bali a lui aussi très bien franchi cet obstacle de 80 cm. C'est pourquoi j'enchaîne directement en le montant de 2 trous supplémentaires pour le passer à 90 cm. Là aussi, aucune difficulté pour Bali, ce sont des hauteurs dont il a l'habitude. Et quand je vous parlais d'impatience et d'anticipation de Ace, ben vous en avez l'exemple même. Il me fait clairement comprendre ce qu'il veut. Sauf qu'il faut croire que ce coup-ci, il était un petit peu trop pressé d'y aller et du coup, il fait pas attention, il ramasse la barre avec ses antérieurs. Et du coup, je vous rappelle qu'ils ont 2 chances, donc ils peuvent faire 2 fautes, soit une barre, soit un refus. Il ne lui reste donc plus qu'une seule vie. Je remonte tranquillement l'obstacle et vous pouvez voir qu'une nouvelle fois, Ace est un petit peu trop pressé.
Allez, on le repasse correctement et dans le bon sens, et ça passe. Vient le tour de Bali, et ce coup-ci l'obstacle est encore monté, donc de 10 cm supplémentaires. Les chevaux se retrouvent donc face à un obstacle d'un mètre, ce qui ne pose une nouvelle fois pas de difficulté à Bali. Vient le tour de Ace, et vous pouvez voir du coup que j'arrive beaucoup plus doucement pour essayer de le canaliser un maximum afin qu'il se concentre et qu'il fasse pas n'importe quoi comme sur 90. Malgré tout, il faut quand même qu'il prenne de l'élan, donc on essaie de combiner les deux, et ça passe. Ça monte, ça y est, on atteint les 110 cm, donc là clairement pour Ace, on se rapproche très fortement de sa taille, puisque je vous rappelle que Ace mesure entre 118 et 120 cm. Donc ce qu'il réalise là n'est vraiment pas négligeable. Puis c'est au tour de Bali et vous pouvez voir qu'il arrive tranquillement au trot. Il passera donc ce vertical de 110 cm au trot sans faire de faute et sans se presser. Et pendant qu'il se met à brouter, je me charge moi du coup de monter l'obstacle. On passe maintenant à 120 cm. Et là pour le coup, Bali saute assez rarement ce genre de hauteur, si ce n'est pour m'apporter à moi vraiment un petit peu de confiance. Et donc là, on commence à le faire forcer un petit peu, mais ça passe très bien aussi. Et là, rappelez-vous, je vous ai dit que Ace mesurait entre 110 et 120 cm, c'est-à-dire que si Ace passe cet obstacle, il aura sauté sa taille. Et le pire, c'est qu'on croirait presque que c'est facile. Et l'obstacle monte encore, on se retrouve à 130 cm, mais ce coup-ci Bali hésite et ça passe pas. Pas de soucis, c'est le jeu, on va revenir tranquillement dessus. Et non, les 130 ne seront pas passés avec Bali. Il avait deux vies, il a fait ses deux refus sur cet obstacle-là. On arrête donc la puissance. Je prends soin quand même de ne pas le laisser là-dessus, bien évidemment. Je baisse l'obstacle d'un côté et lui refais passer. Bon, et la question maintenant, c'est à votre avis, est-ce que ça passera mieux avec Ace ? Eh bien non, là clairement il s'est découragé de loin, on a pu le voir décélérer gentiment. Là l'obstacle est monstrueux par rapport à lui, donc ça aurait été très surprenant qu'il le saute. Mine de rien, ça prouve qu'il sait réfléchir et qu'il ne va pas sauter n'importe quoi. Il avait déjà utilisé une vie au préalable puisqu'il avait fait une barre, et donc là c'est sa deuxième chance qui vient de partir. Donc pareil, Ace ne franchira pas les 130 cm, au final je lui baisse également l'obstacle pour qu'il reste sur quelque chose de positif. Et vous pouvez donc en déduire qu'il n'y a pas de gagnant pour cette puissance, et oui je vous ai dit qu'il fallait vraiment se méfier de Ace, qu'il était capable vraiment de défier les plus grands, et là ça s'est prouvé, puisque Bali et Ace ont été à égalité en franchissant 120 cm, mais en s'arrêtant tous les deux sur 130. Donc au final, il n'y a pas de gagnant, ils sont tous les deux sur le même pied d'égalité. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de barres qui tombent, mais non, il s'est vraiment appliqué, même si ça a cogné quelques fois. Il les a jamais fait tomber, alors que Ace lui a rapidement grillé une de ses chances, donc forcément, il est allé moins loin. Mais comme vous l'avez vu, vraiment, il a pas peur, il a pas froid aux yeux, et il n'hésite pas à aller sauter des obstacles aussi gros que lui. J'espère du coup que ce petit challenge vous aura plu, moi je suis très fière de mes deux chevaux, j'espère que vous aussi. Allez, sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut !